Salut, c'est Mathieu, toujours en direct de Lisbonne, au Portugal, et on va voir comment augmenter ta productivité. Boum ! Ok, alors comment est-ce que tu vas pouvoir augmenter ta productivité ? Donc déjà, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que tu es peut-être comme moi, bah, le souci que tu as, c'est que... Et du moins, le souci que j'avais, c'était que lorsque derrière je devais effectuer des tâches sur la journée, je mettais par exemple 8 heures pour faire toutes les tâches. Et ce qui se passait, c'était que, en fait, si j'étais vraiment focus, j'aurais pu les terminer peut-être en 2 heures, voire 3 heures, en fait. Et du coup, ce qui se passait, c'était que j'avais des tâches à faire et j'avais un onglet Facebook d'un côté, un onglet YouTube sur un autre, on me contactait sur WhatsApp et du coup, j'étais sans cesse interrompu. Et ce qui se passait, c'était que, du coup, ma productivité, j'essayais de rester concentré pendant des heures et des heures, et du coup ma productivité elle descendait comme ça, et au final sur la fin de la journée j'étais pas du tout productif, et en étant interrompu comme ça, ça me demandait justement l'effort de me reconcentrer, et du coup j'avais plein de soucis par rapport à la réalisation de mes objectifs. Donc ce que j'ai découvert, c'est la méthode Pomodoro. Donc ça, c'est ce que j'applique depuis un certain temps, et je suis beaucoup plus productif. Ça me permet de travailler moins et de délivrer plus, en fait. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Je travaille en gros pendant 25 minutes à fond, mais là c'est vraiment à fond, il n'y a pas de truc sur YouTube, truc sur Facebook, là c'est vraiment à fond, à fond, à fond, et ensuite tu fais une pause de 5 minutes et tu fais 4 cycles comme ça. Et une fois que tu as fait ces 4 cycles, du coup tu peux faire une pause, on va dire, d'une demi-heure voire une heure pour vraiment te reposer. Donc tu fais le cycle, ça consiste en quoi? C'est que tu fais 25 minutes de travail, après tu fais 5 minutes de pause. Donc là tu vas t'aérer, tu vas t'attirer, tu vas boire un verre d'eau, tu vas marcher, tu fais ce que tu veux pour te détendre, et ensuite derrière tu enchaînes encore sur 25 minutes et tu refais une pause de 5 minutes, et tu fais ça 4 fois. Et ça te permet vraiment de garder toujours, au lieu d'avoir une productivité comme ça, vu que tu es toujours frais, ce sera à peu près toujours comme ça. Ok, alors du coup, je vais te montrer comment je fonctionne concrètement. Donc pour ce faire, en début de journée, je liste, on va dire, les tâches que je dois faire pour la journée. J'essaie de mettre combien de temps à peu près ça va me prendre. Et là, tu vois que par exemple, la tâche 1, ça va me prendre 15 minutes, la tâche 2, 50 minutes. Donc par exemple, la tâche 2, je sais que ça va prendre 2 cycles. Et comme ça, tu peux t'organiser en fonction de ce que tu as à faire et par rapport au cycle. Et ensuite, tu réalises la tâche. Et juste avant de lancer la tâche, tu vas utiliser... Moi, j'utilise Tomato One. C'est une application, Tomato One. Donc, c'est une application que j'utilise qui va te permettre justement de faire justement ces cycles Pomodoro. Donc, 25 minutes de travail à fond. Donc, il n'y a pas de Facebook, pas de YouTube, ni rien. C'est à fond, à fond, à fond. Et tu le lances. Et puis après, au bout de... Quand ça arrive à zéro, il va passer en mode repos pendant 5 minutes. Et après, il va relancer un cycle. Et tu vas faire comme ça plusieurs cycles. Et donc ça c'est sous Mac. Après, sous Android par exemple, ou sous ton ordi, tu tapes Pomodoro application Windows, ou sous Android, tu vois, t'en as plein qui existent. T'as l'application Pomicro Productivity Timer, t'as Pomo To Do, Focus Timer Reborn, tu vois, t'en as pas mal qui existent. Donc après, c'est à toi de t'organiser, de comment est-ce que tu le sens. Et ça va te permettre comme ça de faire tes cycles et d'augmenter ta productivité. Ok, donc on a vu en détail comment augmenter ta productivité. Avant de se quitter, si tu veux avoir encore plus de réservations et automatiser à 100% tes locations, n'oublie pas de clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et je te dis à très vite. Boum !